Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me fait briller les yeux depuis déjà plusieurs semaines. Alors vous savez peut-être déjà que je suis une créatrice de patrons de couture et moi ce que j'aime le plus dans la confection de vêtements, c'est vraiment la possibilité de pouvoir personnaliser un vêtement à 100%. Ces dernières semaines, j'ai poussé la customisation de ma garde-robe encore plus loin en me lançant dans le tissu sur mesure. Cela a été rendu possible grâce à Caspar Design qui sponsorise cette vidéo. Avant de vous en dire plus, commençons par le début. Alors pour la petite histoire, j'ai commencé à peindre des motifs durant le confinement et pour cela, j'ai utilisé de l'aquarelle. Et il se trouve que j'ai beaucoup aimé la facilité et la rapidité que l'on peut avoir avec ce médium pour créer des motifs. C'est d'ailleurs avec cette technique que j'ai créé mes pochettes de patron de couture. J'ai par la suite utilisé de la gouache parce que moi je préfère les couleurs qui sont saturées. Et puis un jour je me suis dit que ce serait chouette de voir ces motifs naître sur un tissu. Du coup j'ai acheté une tablette graphique pour pouvoir redessiner tout ça sur ordinateur. Et les débuts étaient un peu déstabilisants puisque lorsque l'on dessine sur tablette, ce n'est pas la tablette que l'on doit regarder mais l'écran. Alors bien évidemment il existe des tablettes qui ont un écran intégré à la tablette, mais bon là on part tout de suite sur des budgets beaucoup plus conséquents et pour un début j'avais pas envie d'investir beaucoup d'argent parce que je savais pas si ça allait beaucoup me plaire. Donc avec cette petite tablette graphique, eh bien j'ai dessiné mon motif sur Photoshop. Et pour mon premier tissu, j'ai vraiment fait tout simple. J'ai dessiné des feuillages. En fait, c'est vraiment ce que je préfère, dessiner à l'aquarelle et à la gouache. Donc c'est ce que j'ai reproduit sur ordinateur. Et je suis partie sur les deux couleurs du moment que je préfère. Il s'agit du rose et du vert. Ensuite, j'ai fait quelques essais pour pouvoir donc agencer mon motif, donc pour qu'il puisse se répéter correctement et donc en faire un motif sur tissu. Mais j'ai pas finalisé mon projet faute de temps. Et puis le temps a passé et j'ai un petit peu laissé ce projet dans les tiroirs. Et récemment, j'ai été contactée par Caspar Design, eh bien, qui m'a proposé de tester l'impression textile. Bah, du coup, j'ai ressorti ce motif que j'avais créé sur Photoshop et j'ai finalisé eh bien, ce motif que je voulais imprimer sur tissu. Alors pour vous en dire plus sur Caspar Design, il s'agit d'une entreprise croate, donc qui vous l'aurez compris, fait de l'impression textile. Alors elle fait de l'impression donc sur des vêtements, sur des objets déco, ou encore sur des accessoires, mais également sur des tissus, et c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors le site est en anglais, mais il est plutôt bien fait et plutôt interactif, donc pas trop d'inquiétude à ce sujet-là si l'anglais c'est pas trop votre tasse de thé. Alors déjà, ce qui est chouette sur ce site, c'est qu'on peut commander un kit des échantillons de tissus qui sont disponibles sur le site. Je vous montre tout ça en image et je reviens tout de suite face caméra. Alors voici le kit en question. Alors on a vraiment énormément d'échantillons qui sont disponibles. Je vous ai fait une petite sélection. Mais avant de vous montrer tout ça, je vous explique un peu le principe. Alors en fait là, on a les différents types de tissus qui sont disponibles sur le site et on a également des dessins qui sont sur ces tissus. Et sur ces dessins, on a en fait une palette de couleurs qui est utilisée. Donc la palette de couleurs de Caspar Design et on a donc les références de ces couleurs. Donc du coup par exemple le bleu que l'on voit ici, eh bien c'est le bleu qui va par exemple se retrouver là. Donc on voit bien ce que ça donne quand on choisit par exemple une couleur à l'ordinateur comme cela, comment est-ce qu'elle va ressortir sur un interlock bio. Donc voilà, alors je ne vais pas tout vous présenter parce que quand même, il y en a pas mal. Donc je vous ai fait une petite sélection. Alors vu que je vous parle beaucoup de viscose, en général dans mes créations, je vais commencer avec ça. Alors donc au niveau de la viscose, alors on a la viscose classique, donc la popeline de viscose, donc un tissu qui est fin, qui est très très fluide. On a également un twill de viscose, donc le twill de viscose qui sera plus épais donc, que la popeline. Et on a également en viscose un jersey. On a également du lin, ce qui est plutôt sympa puisque en général je trouve qu'on a du mal à trouver du lin imprimé, donc moi c'est quelque chose que je testerais bien. Donc là on a un lin qui est plutôt épais, bon bah c'est du lin.
On a également un matériau qui permet de coudre des maillots de bain. Et ça aussi, c'est super intéressant puisque ce n'est pas une matière qu'on trouve facilement donc au niveau des tissus. Et pour finir, on a aussi toute une sélection d'échantillons en coton. Donc, je vous le montrais tout à l'heure. On a l'interloque qui est bio. Alors, l'interloque, moi, je vous en parle beaucoup, puisqu'en fait, l'interloque, c'est une alternative au jersey, puisqu'en fait, c'est une matière qui se comporte comme le jersey en termes d'élasticité, mais qui est beaucoup plus facile à coudre. Donc, c'est vraiment le matériau que je conseille aux débutants lorsque l'on doit coudre du jersey. Préférez plutôt l'interloque. On a aussi un twill qui est plutôt épais en coton et qui va permettre par exemple de coudre des pantalons ou encore des salopettes. Donc ça peut être super sympa d'avoir un motif imprimé avec ce type de tissu. J'ai également sélectionné un jersey de coton, un classique, hein. Et aussi un autre twill de coton. Donc on en a, j'en avais sélectionné deux quoi. Donc deux types de twill, dont l'un est plus épais que l'autre. Donc voilà ma petite sélection de tissus que j'aimerais bien tester. On a également encore énormément d'autres échantillons, mais je ne vais pas tous vous les présenter puisque ça ferait une vidéo trop longue et surtout un peu ennuyeuse à mon goût. En plus de tous ces supports qui sont disponibles sur le site, vous avez également plusieurs designs qui sont disponibles. Moi, je les trouve très beaux parce qu'on a une large sélection de motifs qui sont abstraits. Moi, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup et que j'ai du mal à trouver en général sur les tissus. Mais si vous aimez des styles plutôt classiques comme les motifs qui sont fleuris, c'est également le type de design qu'on peut trouver sur le site. Mais moi, vous l'aurez compris, pour une première, j'ai voulu partir sur un motif que j'ai dessiné moi-même. Du coup, je vous montre comment j'ai procédé. Alors, je suis allée dans Print on Fabrics, puis sur Fabric Types. Et là, vous voyez tous les tissus à personnaliser qui sont disponibles. Moi, j'ai choisi le twill de viscose pour la robe que je porte dans cette vidéo, donc viscose twill. Et j'ai cliqué sur Customize. Donc pour customiser votre tissu, vous pouvez soit choisir un motif dans la librairie du site, soit télécharger votre propre motif. Donc moi je suis allée dans Upload et j'ai téléchargé mon propre motif, donc le motif de feuillage dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, je définis la taille de mon motif. Moi, j'avais dessiné un motif qui fait 20 cm par 20 cm. Donc, j'entre ces données. Et là, vous voyez qu'on a une mise à jour automatique de l'affichage du tissu. Par la suite, je choisis le type de répétition que je souhaite. Moi, j'ai pris une répétition classique. Et là encore, vous voyez qu'on a directement le résultat à l'écran. Enfin, il ne vous reste plus qu'à choisir le métrage. Moi, j'ai commandé 3 mètres. Sachant que lorsque vous allez dans la fiche produit, eh bien, on a une lèse d'environ 1,40 m. Je vais maintenant vous parler des variations possibles de couleurs que l'on peut avoir sur un tissu. Alors, pour illustrer tout ça, je vais vous montrer ce grand panneau de twill de viscose que j'ai reçu. Il s'agit donc d'un twill de viscose, comme je vous le disais, qui me permet de voir le rendu de plusieurs couleurs sur ce tissu. Alors déjà, si vous ne l'avez pas encore remarqué, lorsque vous avez une image, une photo, eh bien les couleurs ne seront pas tout à fait les mêmes en fonction de l'écran sur lequel vous regardez cette image ou cette photo, mais également aussi en fonction des réglages de votre écran. Par exemple, moi, pour mon motif de feuillage, eh bien j'avais une couleur différente sur mon écran d'ordinateur, sur l'écran qui était relié à mon ordinateur et sur l'écran de mon téléphone portable. Donc j'avais 3 types de variations possible, donc au niveau de mon vert et de mon rose. Et lorsque j'ai reçu mon tissu de chez Caspar, j'avais également et bien des couleurs qui étaient et bien différentes. De plus, en fonction du type de tissu que vous allez choisir, on aura encore et bien un rendu qui sera différent. Et c'est là que le panneau de twill de viscose est super intéressant. Enfin, là je parle de twill parce que c'est le tissu que je voulais coudre, mais il est également disponible dans d'autres tissus sur le site. Donc ce panneau,
il est vraiment super intéressant parce qu'en fait, vous allez voir à quoi ressemble telle couleur que vous avez choisie sur votre ordinateur sur votre tissu. Moi, malheureusement, ce n'était pas un outil que j'ai reçu avant de concevoir mon motif. Moi, j'aurais préféré avoir un tissu avec un vert un petit peu plus foncé, donc vraiment un vert bouteille sombre. Et au niveau du rose, j'aurais préféré avoir quelque chose d'un petit peu plus pastel. Donc, je suis contente d'avoir reçu ce panneau et ça me servira bien pour la prochaine fois. Quelques jours après avoir passé commande sur le site de Caspar, j'ai reçu mon tissu sur mesure. Alors, je n'ai pas fait de vidéo d'unboxing avec le tissu, les kits, le panneau, etc. puisque lorsque j'ai reçu mon colis, c'était à la maison, je n'avais pas mon trépied avec moi et franchement, j'étais beaucoup trop impatiente d'ouvrir ce colis et de découvrir mon tissu personnalisé. Alors, comme d'habitude, eh bien, j'ai lavé mon tissu avant de le coudre. Je l'ai bien évidemment repassé avant de le coudre également et je n'ai rencontré aucun souci durant la confection. Comme vous le voyez, je porte dans cette vidéo le tissu que j'ai fait imprimer chez Caspar Design. Alors, j'ai choisi le twill plutôt que la popeline de viscose parce que je voulais un tissu qui était plutôt épais et plutôt fluide. Et comme modèle, j'ai utilisé le patron de ma robe La La Land. Donc, c'est une robe qui a donc un buste plutôt ajusté, qui a des manches papillons qui sont semi-ouvertes et qui a une jupe virevoltante généreuse, d'où son nom, la robe La La Land. Bon, alors, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment fan du résultat et j'ai vraiment envie de réitérer l'expérience. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous plaît, sachez que vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur le site de Caspar Design et cela jusqu'au 31 juillet et pour tous les pays de l'Union européenne. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos, donc le lien vers le site de Caspar Design, le lien vers le patron de couture de la robe La La Land et également le lien pour pouvoir donc télécharger le motif que je porte si cela vous intéresse. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à concevoir tout cela, que ce soit le motif ou encore la robe La La Land avec un motif que j'ai dessiné moi-même et c'était vraiment un plaisir de collaborer avec Caspar Design que je remercie pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao !